internet, c'est Kamoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est pas un piège, c'est pas une expérience sociale, mais c'est bien un prank. Donc la vidéo d'aujourd'hui se résume tout simplement à m'habiller en costume et à aller voir des gens dans une cité sensible de Marseille dont je ne dirai pas le nom pour ne pas avoir de problèmes supplémentaires parce qu'on a déjà eu pas mal. Mais le but de cette vidéo, c'est d'aller dans une cité sensible, habillé en costume et en trottinette électrique, et de les rendre fous en leur demandant où c'est qu'il y a une boîte de nuit, tout ça. Enfin vraiment, c'est un prank, c'est une blague. Donc il n'y a pas de mauvaise intention derrière tout ça. C'est juste pour voir leur réaction et voir ce qu'ils vont faire quand je vais leur annoncer que je cherche une boîte de jour, une boîte de nuit le jour. Donc je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé et pour que vous puissiez rigoler. Et surtout, n'oubliez pas d'aller rejoindre la chaîne de mon poteau Une Vie qui s'affiche juste en dessous ici. Si vous kiffez les lives Fortnite, si vous voulez gagner des V-Bucks gratuitement, si vous voulez jouer avec Une Vie sur sa chaîne YouTube et en live, n'hésitez pas à aller rejoindre sa chaîne et peut-être que vous gagnerez des V-Bucks ou peut-être même que vous jouerez avec lui. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure pour une conclusion. Ciao et bonne vision. Voilà les amis, ben, comme prévu, je suis en costume. Donc là, on va aller dans un quartier qui est assez, assez mal fréquenté, on va dire. Je vais me rendre avec une trottinette électrique. Voilà, alors comme je disais, je vais m'y rendre avec une trottinette électrique que j'ai achetée grâce à Trillionaire Prono d'ailleurs. Petite publicité. D'ailleurs, si vous voulez rajouter Trillionaire Prono pour des paris sportifs et pour justement essayer de gagner de l'argent et gagner des cadeaux, n'hésitez pas. Il y a toujours des tirages au sort, tout ça. Son snap s'affiche juste en haut et vous serez le bienvenu. Donc, je vais me rendre en trottinette électrique devant des jeunes. J'espère en trouver, j'espère qu'il y a du monde et j'espère que ça finira pas mal. Tout simplement parce que je suis habillé en costume, que les gens en costume dans les quartiers, souvent, voilà, ça porte à confusion entre des riches, tout ça. Donc, bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Et je vais y aller en trottinette. Alors, trottinette électrique dans un quartier, bon. Mis à part des scooters et des voitures, ça fait un peu, voilà. Je fais tout pour me faire remarquer et j'espère que les choses vont bien se passer. Donc, je ne sais pas vraiment exactement où on va aller. Je vais juste rechercher des jeunes. Je sais le quartier. Et on va garder le nom du quartier anonyme pour ne pas avoir de problème. Et on va s'y rendre en trottinette électrique et en costume. C'est parti, let's go. Bonjour les gars, je peux vous demander un petit renseignement? Ah, tu es bizarre, toi, mais... En fait, je voulais savoir, est-ce que on m'a dit qu'il y avait une boîte de jour? Moi d'habitude je vais en boîte de nuit, mais là on m'a dit qu'il y avait une boîte de jour. Une boîte de jour? Ouais. Tiens, craque. Vas-y, prends ton. Non, on m'a dit. Gros, tu es sous coco, vas-y, rentre chez toi. Pourquoi? Je suis pas sous coco. Ouais. Alors hier j'ai un peu dormi, j'étais fatigué, mais aujourd'hui on m'a dit. On m'a dit qu'il y a une boîte de jour. Tu déranges, c'est très bien. Non, mais tu vois pas que tu déranges, rentre. Pourquoi je dérange? Non, mais un peu. Je vais chuter, mais pourquoi? Pourquoi de suite tu es agressif? Non, mais y'a pas de boîte de jour, y'a pas de boîte de nuit. Attends. Par contre, me touchez pas, les gars, me touchez pas. Parce que ça va partir loin, moi je suis quelqu'un de très... Vas-y, les drogués, ça. Tu es pas invincible, gros, on est trois, on va te... Non, les gars, non, attendez. S'il vous plaît, non, moi je veux juste savoir... Où est la boîte de jour, s'il vous plaît? Où est la boîte de jour? Prends ta trottinette et va hiberner, il n'y a pas de boîte de jour. S'il vous plaît, par contre, attendez, je vais prendre les clés parce que... Non, parce qu'il y a un GPS dessus, c'est pour ça. Ouais, tu vois là, il y a un petit GPS et tout. Ah ouais, mais j'ai le. Si vous me dites où est la boîte de jour, je peux vous faire un tour de la trottinette si vous voulez. Qu'est-ce que ça me fait? Écoute ta trottinette, vas-y. Bon, vas-y, je fais un petit tour de trottinette. Vas-y, prends-le. Et tu me dis où est la boîte. Merci beaucoup. Non, mais tu repars pas avec ta trottinette, tu sais ça. Non, je repars avec ma trottinette. Si je vous la prends. Mais tu le sens. Non, mais il va repartir en pied, vas-y, bah je sais pas. Ah, vas-y, fais tout. Et pourquoi il a agressé votre collègue? Moi je cherche juste la boîte de jour. Allô, parce que gros, la boîte de jour. Mais parce que tu fais remarquer, tu vois pas, regarde. Non, on est ici, on a notre truc, on a notre truc. Moi je cherche la boîte de jour. Et si tu me dis où aller, on peut y aller ensemble. Sur toi et moi. Vas-y. Attends. Non, ça va. Il me parle à la boîte de jour, il me parle à l'oreille, il est bizarre. Non, les gars. Par contre, la trottinette, j'aimerais bien la récupérer. Ah les gars, par contre ça y est, c'est bon, je vous ai rien fait s'il vous plaît, juste je veux récupérer ma trottinette en vrai. Oh non mais je fais serrer, je suis en train de me faire serrer espèce de fou. Je peux récupérer ma trottinette maintenant s'il vous plaît? Je vais juste partir. Comment ça là? Mange merde, tu vas partir par là-bas là. Oh non, oh, attends s'il te plaît. Non, tu me fais mal. Écoute, ah je fais du karaté, les gars, je fais du karaté moi. Ça, c'est une caméra. Casse-toi. J'ai plus de trottinette, gros. On prend la trottinette.
On a eu une chance qu'ils ne prennent pas la caméra. Et... En même temps, je l'ai cherché, gros. On les a semés là, c'est bon. Ouais, je pense que c'est. Attention, une voiture. Oh, l'autre, il nous suivait en trottinette, gros. Ah, il nous suivait en trottinette. J'ai même pas comment ils ont fait pour nous rattraper. Oh. Bon, mais plus de trottinette, c'est bien. Trillionnaire prono. Désolé, hein. Merci de m'avoir fait bien. Merci de m'avoir fait acheter la trottinette, mais là, c'est. Qu'est-ce qu'on me fait? La trottinette, moi je la veux, frérot. Je veux ma trottinette. Tu sentirais que j'ai retourné à plusieurs, toi? Ouais, faudrait. Pas aujourd'hui, mais. Faudrait être plusieurs, par contre. Ouais. Beaucoup. Juste pour la récupérer, on sait où aller. Ouais. Ils savent pas qu'on est youtubeur, je crois pas qu'ils me connaissent. Sinon, ils m'auraient dit d'entrer, ouais, tu vois. Il aurait cramé. Déjà, je vais, c'est simple ce qu'on va faire. Moi, j'ai envie de récupérer ma trottinette. Alors, je vais mettre un post dans l'onglet ma communauté et laisser votre avis dans les commentaires. Dites-nous si vous voulez qu'on retourne dans le fameux quartier pour récupérer la trottinette. Voilà, tout simplement, on ira à plusieurs et je pense qu'on la récupérera s'ils l'ont encore. Donc, vous allez dans l'onglet ma communauté, vous votez, vous mettez oui ou non si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode pour récupérer la trottinette. Et par commentaire, n'hésitez pas à dire oui, fait un deuxième épisode, tout ça. Nous, là, on va rentrer parce qu'on est vraiment fatigué. Mais c'est vous qui décidez de savoir s'il y aura un deuxième épisode et si on fait une suite et si je récupère ma trottinette électrique que Trillionnaire Prono m'a fait gagner. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, on a pris pas mal de risques, donc n'hésitez pas à la partager et à mettre autant de likes que vous voulez. Hein. Allez, ciao. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a plu également. Par contre, je suis assez dégoûté de m'être fait voler la trottinette que m'a fait gagner Trillionnaire Prono. Donc peut-être que oui, c'est que du bénéfice, mais ça me fait chier. Donc si vous voulez vraiment un deuxième épisode où je pars récupérer la trottinette dans ce fameux quartier, n'hésitez pas à aller voter dans l'onglet communauté. Il y a un sondage, vous pouvez dire oui, non. Vous pouvez voter dans les commentaires également. C'est vous les juges, si vous voulez qu'on y aille, on ira. Si vous voulez qu'on n'y aille pas, on n'ira pas tout simplement. Donc c'est à vous de décider. Alors pour nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est comme d'habitude. Pour ceux qui le savent et qui regardent nos vidéos, on a un Snapchat, c'est Kamof, il s'affiche juste en bas aussi. Donc c'est C AM-6OFF. On a également un Instagram sur lequel on poste des photos et les dernières nouvelles qui sont sorties. C'est CAM-OFF-OFFICIEL. Et tout s'affiche en dessous, vous n'avez aucune excuse. En ce moment, il y a du vent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il fait froid à Marseille, donc j'imagine même pas dans le nord de la France. Donc si vous voulez vous réchauffer et si vous voulez porter notre marque, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et à vous abonner à la chaîne YouTube et ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes 380 000 abonnés à nous suivre, donc vraiment ça me ferait extrêmement plaisir d'aller et de passer la barre des 400 000 abonnés. Ça serait quelque chose d'énorme pour moi. Et pour ça, je peux compter que sur vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à la partager. Et surtout, ne reproduisez pas ça chez vous. Parce que nous, quand on fait ça, on a une équipe derrière. On ne fait pas ça tout seul. Mais quand même, s'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Parce que c'est dangereux et il peut vous arriver des bricoles. Même si vous êtes youtubeur, même si vous voulez faire des vidéos. C'est assez dangereux de faire ça là où il y a des jeunes et dans une cité. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a une semaine où je passe des vacances à Paris et où je suis riche pendant 24 heures. Je vous mets un extrait tout de suite pour ceux qui l'ont pas vu. Go! Voilà, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne. Et franchement, c'est une vidéo qui vaut le coup. En ce qui nous concerne, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Elle sera peut-être même mieux que celle-là. Donc n'hésitez pas à rester connecté, à nous suivre. Je vous dis à très bientôt. C'était Kamof. Et bon mercredi. Ciao. Blah, 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 blah